Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing I can do. This world doesn't spin. It just turns itself around and around. The night chokes tight in the noose. Bonjour à toutes et à tous, c'est Raven pour une toute nouvelle vidéo sur The Evil Within. Dans l'épisode précédent, on avait commencé le chapitre 6, qui dure depuis quand même vachement longtemps, parce qu'il a quand même duré deux épisodes. 1600, mais je pense pas que je pourrais en faire grand chose. Ouais, je pense pas que je pourrais en faire grand chose. Si je peux essayer d'améliorer ça, mais... Ah, ça parce que ça coûte... Je vais prendre ça parce que ça coûte pas cher et puis ce sera tout. Attendez, par contre, je vais juste faire un truc. Je suis désolé, je vais peut-être me faire un peu mal aux oreilles. Quick. Voilà, ça m'a l'air beaucoup mieux. Je suis désolé d'avoir fait ça, ça a dû vous exploser les tympans. C'était juste le microphone de mon micro qui m'avait l'air un peu mal réglé, un peu faible, donc bon. Je vais un peu changer ça. Ici, la porte est fermée, d'accord. Bon, bah, on se barre par ici. De toute façon, c'est pas comme si on avait le choix. Allez, on est reparti. Ah oui, c'est vrai qu'on s'était retrouvé forcé d'aller ici. Are you all right? You don't need to worry about me. Ben, j'ai pas l'impression qu'il y ait grand chose par ici. Vachement gay. Tais-toi! T'es qu'un sac! Pardon. Allez, on continue. Je vais juste faire un truc, par contre, option. Ah, je vais juste augmenter un peu la luminosité pour vous. Toujours penser à YouTube. Qu'est-ce qui se passe ? What do you make of this writing? Doesn't mean anything to me, should it? Hold on a second. I jotted something down here. All right, good. This is... It's
seems the sacrifices need to be lowered onto the proper altars, and the safe way to him will be open. Donc 9, 7, 5 et 3. D'accord. Donc 9. Bah, je crois qu'en bougeant au pif, en fait, j'ai résolu l'énigme. Même si je suis sûr que je vais me faire tuer comme la dernière des merdes. Je vais essayer de la baisser. Je vais voir si en la baissant sur le 5, ça me coûte rien et puis bon. Si les pics se referment, c'est que je crains quelque chose. Si les pics se referment pas, c'est que je crains rien. Les pics se referment pas, donc je craignais effectivement quelque chose, je vais la baisser aussi sur le 9, et puis ensuite on va prier. On va prier très fort. Ouais, ça semblait que c'était bien ça. Effectivement, j'ai bien fait parce que je pense que je serais pas seul et puis que ce serait refermé sur ma gueule, prévisible. Et je serais mort dans d'atroces souffrances, bla bla bla. Allez, on tente. Oh. Oui, vous m'avez vu fuir comme un lâche, puis finalement j'ai vu que c'était un coffre. Ouf, la lâcheté, ça sauve parfois. Alors. Puf, 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 puf. Bah, on semblerait qu'il n'y ait rien à faire dans cette pièce, donc on se casse par là. Merci. Une colonne vertébrale, un système, un cerveau avec merde, comment ça s'appelle? Ce qui se trouve dans la colonne vertébrale, l'épine dorsale, je crois que c'est ça, je crois que c'est l'épine dorsale. Un mec très moche, qui bouge ou qui flotte? On va dire qu'il flotte. Note du labo du cimetière 1. Ces deux orphelins ont forcément survécu par la volonté de Dieu. Ils ont été baptisés et soignés. Neun et son frère Zen se sont rétablis aussi vite que leur aberration a progressé. Ils sont certes jumeaux, mais pour une raison inconnue, leur schéma de croissance est en tout point similaire. 12 heures après administration du traitement, Neun de 122,4 cm, 28,2 kg. Zen, 122 blas, élévation de la température corporelle, douleur dans les extrémités des membres inférieurs, 24 heures après administration du traitement, 125,8, 29,4. Effectivement, en 12 heures, grandir de 3 cm, c'est pas mal. Signe fœtaux stabilisé, 36 heures, 138, 34. Demi-conscience s'adresse à un personnage imaginaire, 48 heures. Après administration du traitement, 145, 46,9 kg. Ça se trouve, ce serait pas les deux espèces d'abrutis que j'ai butées. Ça se trouve, c'est les deux espèces d'idiots que j'ai butées dans le cimetière, qui m'ont donné un peu de fil à retordre. Ouais, je peux prendre une seringue. Paf, pique-toi. Oh.
Pourquoi je le sens tellement pas? Note du labo du cimetière. Chaque mois, les offrandes sont tissées jusqu'au sarcophage de pierre que le propriétaire appelle l'autel. 2 corps, 4 corps, 3 corps, 5 corps, 4 corps, 7 corps, 6 corps. Le chêne garde de l'église a lui aussi commencé à changer. Exactement comme dans le cas des jumeaux, l'aberration progresse. Aujourd'hui, la dévorée cadavre en demande déjà plus. Sa ferveur a déformé sa barre et ses chaînes. Je n'ose pas détourner le regard de ce molosse de peur qu'il me prête pour une nouvelle offrande. Je suis tellement mort. Alors toi, tu fais un bruit, je te jure, je te tue. On peut y aller, je pense. Il va passer par ce mur. Can you get it open? On va lui faire ça, un petit carreau électrique, ça devrait. Aïe. Je devrais faire attention. Putain, mais j'ai pas tiré, pourquoi? Bon, on va dire que c'était une première tentative. C'est pour ça que c'était un peu pitoyable. Oh merde, ma souris! J'espère que vous avez pas fait chier. Je crois que je sais plus. Oh! Bon, en fait, non, la deuxième fois, c'est tout aussi pitoyable. Faut dire ce qui est, à un moment, faut se respecter, faut respecter le spectateur. C'est aussi pitoyable la première que la deuxième fois. Oh! Ça, j'avoue, je m'y attendais moyen. Je sais pas dans quel lieu. Mais c'est qui me poursuit en fait ?
D'accord. Je le sais, tu m'as l'air moyen. Non, pas de munitions. Oh, ce faux espoir. J'ai tellement espéré que ça te fasse péter la gueule. Et merde. Mais arrête de viser à côté, le bordel. Il a dû se dire c'est quoi ce taré. Aïe. Bon, réfléchissons. Faudrait que je trouve plus de munitions de fusil à pompe. Aïe, mais arrête! Bon. Pas exactement ça que je voulais. Ok, il l'a mal vécu, je pense. On va dire qu'il l'a mal vécu. J'aimerais bien le mettre à terre et lui envoyer un... Voilà, comme ça, ensuite on fait ça, on change vite fait d'arme, on prend carreau explosif je pense. On est d'accord. Voilà, il l'a assez mal vécu. Quoi ? What is it? I dropped my glasses back there. Tu vas être encore plus inutile. Ça veut dire quoi? Qu'il va falloir que j'y retourne? Non, vous foutez de ma gueule. M'en fous, t'es totalement con. Hey, over here. Over here.
Mais la tire pas vers la porte, débile. Sorry. It's not just about being unable to see. It's about feeling normal. Ouais. It's all right. Let's focus on finding Kidman. T'es totalement con. Ah, se sentir normal depuis qu'il est transformé en monstre. Pff, j'étais en train de chercher la justification. Oui, je suis désolé, j'avais pas compris. J'avais pas compris. Bon, bah, on va chercher un peu s'il y aurait pas des munitions, des petites choses comme ça, histoire de me faire plaisir. Non. Visiblement, non, ils ont pas envie de me faire plaisir, ils ont envie de me laisser crever dans mon coin. Bon. Bah, ça aurait été court, j'ai envie de dire. Mais en même temps, c'était compliqué de faire plus long parce que, bah, comment dire. Là, ça sert à rien, 20 minutes, de toute façon, je commence le prochain chapitre, j'aurai le temps de rien faire s'il est aussi rapide que ça. Donc, je préfère m'arrêter ici. Ça fait un petit épisode avec un petit boss. Donc, bah, on va... J'espère que cet épisode vous aura plu. Et puis moi, je vous dis à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo sur The Evil Within. Allez, à plus tout le monde. Bye!